J'ai eu l'intérêt pour venir à l'université d'été parce que le thème m'intéresse, qui porte sur l'innovation, et que j'étais sûre d'y rencontrer des gens venant d'horizons très très différents, à la fois des personnes concernées par la maladie, des proches, mais aussi des professionnels de tout le champ. Alors, dans le système de santé, on a beaucoup parlé de la démarche qualité sur les précédentes années. Je pense que c'est bien de mettre le focus sur l'innovation parce que pour moi, l'innovation, c'est comme, je dirais, le ferment dans la pâte. S'il n'y a pas d'innovation dans toute organisation, eh bien, elle ronronne et donc c'est en quelque sorte, comment je dirais, un stimulant que d'avoir ce lieu de réflexion sur l'innovation. Je ne le recommanderais pas qu'aux professionnels de santé, c'est très important qu'ils soient là, mais je pense qu'il faudrait qu'à même proportion, il y ait des personnes concernées par la maladie, le handicap, l'âge, des membres de leur entourage, mais aussi pourquoi pas, comme on a eu ce matin une introduction de l'adjointe au maire de Rennes, je pense aussi que la voix des politiques est très importante parce que c'est la voix aussi de l'organisation des territoires.